important. Il est jeune, mais armé. Vous avez les origines ou quoi? Non, pas regardé. Les origines, c'est quoi, Philippe? Philippe, non. Les origines. Vous n'avez pas, c'est la page 100. Vous jugez le poulain ? Page 100, on voudrait bien voir. Il peut marcher, Cody ? La date de naissance du poulain, il est né le 5 juin. D'accord. C'est un falco, Gérard. Voyons. Ce poulain est un falco par rêveuse de la cour et par Saint-Cyrien. Mais il y a un truc important. Allez, on va marcher, s'il vous plaît. C'est que le premier poulain de cette jument est à l'entraînement. Je tiens pour l'instant. Mais il n'est pas qu'à l'entraînement, il est sur les pistes. Et si vous suivez bien les courses, eh bien, il vient de gagner. Il vient de gagner sous la férule de François Nicole, à Dieppe, sa première victoire. Donc, le poulain qui est devant vous est maintenant frère d'un vainqueur en vol de la cour. Revenez, Dominique, reviens. Marisca Sorrento, qui vient de gagner à Dieppe. Donc, notez-le. Alors, c'est une souche qui a beaucoup été exploitée en concours complet. Donc, elle saute. Et sitôt qu'ils ont été sur les hippodromes, eh ben ils se sont illustrés, voire au haut niveau, puisque nous avons un cheval que vous avez tous connu, qui s'appelait leader de la cour, rappelez-vous, dans les années 2000. Et tu vas trotter à main gauche. 15 ans. Coller à la barrière, coller à la barrière, la mère à la barrière. Montgomery. Allez. 3. Encore du black type. Allez. Donc là, nous sommes sur une souche locale, solide et exploité avec des étalons locaux, hein, il n'y a pas eu beaucoup, mais une souche pareil. À la mode maintenant, puisque Falco est un pivotal de service. Colle à la barrière, Dominique, colle ta mère à la barrière, colle ta mère à la barrière et trotte. Pivotal, surtout sur le milieu pur sang. Et M. Coudet va être très content de retrouver des chevaux qu'il connaît.